D'abord, c'est un peu conventionnel, mais c'est très sincère. Je vous remercie beaucoup, l'équipe organisatrice et le comité scientifique du colloque, de votre invitation qui me donne l'occasion d'avoir des découvertes intellectuelles, aussi des retrouvailles avec des collègues de longue date avec lesquels je m'étais pas entretenue. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un grand remerciement d'abord que je voulais vous adresser. Ensuite, donc, c'est une présentation qui est liée à un travail en cours sur ce qu'on appelle en France une HDR que vous n'avez pas vous avez la chance de ne pas passer, bref. Et donc, qui est une seconde petite thèse en fait en France pour accéder au statut de professeur des universités, n'étant que petite maître de conférence. Et donc, c'est une HDR qui porte sur la notion de talent, l'âge du talent comme nouvelle figure culturelle, puisque ma thèse portait sur les amateurs et en quelques années, donc cette notion de talent, cette figure du talent est montée. Et donc, c'est une recherche qui porte en partie sur cette notion. Quand on intervient dans la dernière plénière, on a bénéficié évidemment de l'apport et de toutes les réflexions du colloque. Et finalement, je me rattache à quelques points qui ont été esquissés dans différentes présentations. Notamment, donc, ici, vous allez voir, c'est un travail empirique. Donc, on va documenter, mais des enjeux sociopolitiques de cette numérisation qu'on appelle généralisée de la culture. Je vais la documenter, mais en reprenant, évidemment, certaines questions et apportant peut-être des réponses empiriques ou ouvrant de nouveaux questionnements à ce qui a été dit, notamment sur l'intensification de la captation du marché publicitaire avec la prise en charge, production, distribution des contenus par les publics. Ça, c'est une logique qu'on a vue à l'œuvre dans plusieurs présentations. Tout à l'heure, Philippe Bouquillon disait finalement, là, on peut se dire qu'on a la logique de ce qu'on a appelé à Hollywood le talent scout, c'est-à-dire renouvellement, en fait, des nouveaux entrants qui est encore à l'œuvre dans certaines propositions des plateformes socio-numériques. Il y a aussi des problématiques comme le cyberharcèlement qui a été pointé par, je pense, en début de colloque autour des haters, et donc qu'on va aussi rencontrer comme figure dans cette économie des talents. Et avec moi, mon idée toujours que sur les haters, il ne faut pas se tromper de cible. Et je vais vous montrer en fait que cette économie des talents, c'est une économie d'adultes en fait qui utilise les enfants comme ressource. Et donc, il ne faut pas se tromper de cible. Donc, essayer de comprendre ce qui se passe du côté du monde des adultes plutôt que de stigmatiser les pratiques juvéniles. On va voir aussi que finalement ce que disait ce matin Philippe Bouquillon, c'est-à-dire à travers des modèles socio-économiques, on vend aussi finalement des modèles de société. Et ici, on va voir évidemment que c'est une longue tendance du capitalisme qu'on appelle la culturalisation du capitalisme qui va modeler en fait des styles de vie. On va aussi également retrouver le fameux digital labor, et j'insiste là-dessus, qui est une notion qui a été avancée par Trevor Scholz en 2009 et que certains chercheurs français reprennent de façon intéressante. Et on va voir ici qu'on va travailler à travers différentes productions de vidéos, notamment, ou de photographies sur Snapchat. On va travailler sur ces plateformes socio-numériques, pour ces plateformes socio-numériques. Mais donc, on va travailler à être soi-même, on va gagner sa vie avec sa propre vie. Et donc, ce digital labor, il interroge à la fois le numérique, mais aussi, pour les plus jeunes, le rapport au travail. C'est aussi un laboratoire de changement du rapport au travail que, finalement, par exemple, de penser devenir YouTuber. Et puis, aussi, c'était donc lors de la première plénière, je me suis fait la réflexion que quand on travaille sur le binaire, il est peut-être intéressant de ne pas mobiliser une anthropologie binaire, c'est-à-dire de ne pas être sur des binarismes de type nombre non ou humain non humain, mais peut-être de penser une anthropologie qui soit un peu à la Haraway, comme elle dit, ou à la Latour, qui va associer, articuler des humains et des non humains. Il y avait aussi une réflexion sur les méthodologies. Donc, moi, je suis assez pragmatique, en fait, suivant un petit peu l'héritage de l'ethnométhodologie de Garfinkel, c'est-à-dire toujours essayer, évidemment, de faire que le terrain et la méthodologie soient en adéquation. Et donc,
donc d'avoir justement cette adéquation méthodologique, toujours comme principe de méthodologie. Et moi, je peux dire que je fais finalement des digital studies as usual, pour un petit faire un clin d'œil à Serge Proulx, c'est-à-dire que c'est une méthodologie qualitative mixte qui va associer à la fois des entretiens, des observations, mais aussi finalement de la production de l'analyse socio-sémiopragmatique des contenus numériques. Et finalement, on a de temps en temps recours à des outils numériques d'aspiration de tweets, par exemple, ou d'utilisation d'Iramutech pour faire l'analyse de gros corpus de tweets ou de contenus. Donc, d'utiliser aussi les méthodes digitales pour étudier le digital, mais pas seulement, et bien sûr, travailler sur le terrain. Et voilà. Et également, tu m'as présenté maître de conférences et chercheuse. J'ai aussi une autre activité qui est plus engagement citoyen, et ça reprend un petit peu aussi la conclusion de la conférence d'Armand Matelard, qui justement n'était pas une conclusion qui nous mettait dans l'accablement, mais proposer une voie de sortie, justement, en appelant au développement de la science citoyenne. Eh bien, c'est ce que j'essaye un peu modestement de faire avec une association qui s'appelle Labo Citoyen. On développe des capteurs environnementaux Do It Yourself. Et pour ce faire, je suis en résidence au Carrefour Numérique, qui est le musée des sciences de la cité de la... le musée des sciences à Paris. Et donc l'idée, c'est que plutôt que finalement de documenter ad nauseum finalement cette ambivalence des cultures numériques et de ne pas laisser, de ne pas rester comme ça dans cet entre-deux ou dans cette ambivalence, j'ai dans l'exercice de ma citoyenneté l'idée de s'engager dans ce que j'appelle la voie du contrefaire, le monde numérique qui s'offre à nous, et d'avoir peut-être un peu d'espoir, mais de moins en moins, dans ce qu'on appelle le mouvement des makers, qui essaye de remédier finalement à un autre Internet possible. Voilà. Et donc l'idée, par exemple, c'est de réconcilier la culture du nombre et la culture du nom, et par exemple d'essayer notamment sur les capteurs connectés, de faire en sorte que la capacité de calcul, la puissance de calcul, donne lieu à des réappropriations citoyennes, car pourquoi laisser les datas et les mesures aux mains justement de ces plateformes socio-numériques ? Donc le petit dessin, c'est « ils nous datafient », parlons de nos data, réapproprions-nous nos data. Et voilà, et donc c'est aussi un petit clin d'œil à différentes conférences que je voulais faire en mentionnant cette activité qui donnera lieu donc à une autre conférence à Québec à la fin mai, dans le cadre des activités du lab CEMO. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est donc une enquête de terrain donc, qui passe par des observations et des entretiens dans ce qu'on appelle les conventions de YouTubeurs, Video City 2015, Neocast 2016 et la Get Beauty 2017. La Get Beauty 2017, c'est une convention de YouTubeuses beauté, lifestyle, etc. Et j'ai suivi cette convention notamment parce que j'ai collaboré à un documentaire que vous pouvez toujours regarder en replay sur Public Sénat, qui s'appelle « Le monde merveilleux des YouTubeuses », réalisé par Sylvie Deleule. Et ensuite, j'ai réalisé des entretiens avec tout l'écosystème, de l'économie de YouTube, avec les agents, les YouTubeurs, le financement social, Tipeee, etc., plus évidemment de la collecte de photos, vidéos pendant ces meet-ups, ces conventions. Et puis Alina, on fait une aspiration d'un corpus de youtubeurs qu'on appelle les youtubeurs de troisième génération. Donc vous connaissez Norman Cyprien, Seb Lafrit, deuxième génération. Et là, il y a une nouvelle troisième génération. C'est un panda moqueur, Jules, Sandy Jules, Gloria, Emma Cupcake, etc., qui ont commencé vers 14 ans, qui ont aujourd'hui parfois 10, 16, 18 ans. Et donc, c'est intéressant de suivre d'abord une évolution tout simplement physique, au niveau aussi de leur devenir professionnel, la façon dont ils ont changé d'agent, etc. Donc voilà, il y a un suivi de cohorte quasiment qui a lieu par cette aspiration de quelques vidéos YouTube de ces youtubeurs. Et puis bien évidemment, quand on rencontre dans les conventions, les meet-up des adolescents ou des préadolescents, je travaille aussi sur leur playlist d'abonnement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu regardes, quels sont tes youtubeurs préférés, et puis des aspirations de tag, Video City, etc. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différents types de données sur lesquelles je m'appuie pour vous présenter un petit
une petite synthèse dans le cadre de ce colloque. Donc j'ai suivi pour comme plan finalement bien le plan du colloque, c'est-à-dire je vais vous parler à la fois des discours, je vais vous parler à la fois des discours, des acteurs, des pratiques. Et donc on va commencer par les pratiques. Mon hypothèse justement dans cette problématique des ben justement hein, de la numérisation de la culture, c'est finalement à travers différentes observations et réflexions, j'en suis venue à l'idée que YouTube en fait réinventait la télévision et que finalement cette numérisation, pour reprendre un petit peu aussi les problématiques de Philippe Leguerne, cette numérisation, c'est pas véritablement une histoire qui se répète, mais finalement c'est un retour à, puisque YouTube consiste finalement à téléifier Internet et à faire d'Internet une pratique d'écran, c'est-à-dire une pratique d'écran quasi passive, où il s'agit de regarder son écran et de regarder justement des vidéos. Ce qui n'est pas complètement ce pourquoi Internet a été développé. Et donc cette téléification du web, elle passe notamment par le développement d'une fonction qui s'appelle la lecture automatique, qui permet justement de réinventer le flux télévisuel. Elle passe aussi par... dans les recommandations que font YouTube lorsqu'ils font des formations aux YouTubeurs, d'embarquer les vidéos dans des playlists pour que justement le défilement automatique puisse avoir lieu et qu'on n'ait pas à cliquer vidéo après vidéo, mais les vidéos s'enchaînent tel un flux télévisuel. Là, je vous donne quelques exemples statistiques de la façon dont YouTube est devenu finalement la plateforme la plus regardée par les adolescents français. 96% des adolescents, 67% possède un compte, et finalement c'est le premier réseau social regardé en France, et j'insiste bien, c'est vraiment regardé, donc c'est une pratique d'écran qui monte et qui est assez nouvelle pour le numérique, mais assez ancienne évidemment pour les anciennes industries culturelles. Ayant été professeur de cinéma dans une première vie, quand j'analyse le corpus de cette troisième génération de YouTubeurs, je ne peux finalement que observer une standardisation, comme on a pu le voir à Hollywood, à travers les différents genres qui donc sont en train de se stabiliser dans cette économie de YouTube. Donc, quand on va aux Video City, aux conventions Video City, qui est la grande convention des YouTubeurs français, vous avez une organisation de l'espace en genre, donc gaming, lifestyle, beauté, humour. Et puis aussi vulgarisation scientifique. Et donc vous avez quatre grands genres, et à l'intérieur de ces grands genres vient se standardise ce qu'on appelle des formats, et bien sûr que l'on peut analyser à travers différents codes, ce qui fait donc dire que YouTube serait un nouvel Hollywood. Là encore, un retour à un certain ordre des industries culturelles que l'on connaît par ailleurs. Donc parmi les différents formats qui se stabilisent aujourd'hui, vous avez, je vais donner quelques exemples, vous avez ce qu'on appelle le haul, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un déballage de ces courses, qui est une occasion finalement de mentionner le plus de noms de marques possibles. Donc, je vais vous donner quand même un exemple rapidement, parce que dans ces vidéos, il est question aussi d'autres problématiques dont je n'aurai pas le temps de parler, donc ça me permettra de faire deux choses en même temps. Hop, là, il faudrait un petit peu. Dans un haul. Et oui, j'ai décidé de faire un haul car j'ai passé des commandes sur ASOS. Alors, je sais que je dis ASOS, tout le monde se moque de moi. Mais écoutez, moquez-vous, allez-y. Et sur Misguided, sachant qu'avant je disais Misguided, voilà, petite anecdote. Enfin, bref, je vais vous montrer tout ça. J'ai juste quelques petites choses à vous dire avant. Il y a un algorithme qui est sorti, bah, bien sûr, comme vous l'avez vu sur Instagram. Les photos ne sont plus affichées dès qu'on les poste, elles sont affichées plus tard. Si on poste souvent, on est plus mis en avant, etc. Et là, bien sûr, YouTube a décidé de faire la même chose. Je vous explique ça pourquoi. C'est pour que vous activiez les notifications de ma chaîne si vous avez envie de voir mes vidéos, bien entendu. Sinon, ça n'a aucun sens. Faites-le aussi pour vos YouTubeurs préférés. Voilà. J'ai l'impression que plus les vidéos passent, plus j'ai le visage blanc. Je vais peut-être un jour disparaître. Tellement il va devenir blanc, je vais me fondre derrière mon fond. C'est parti mon kiki. Pour commencer, j'ai acheté cette petite jupe chez Misguided. Voilà, qui est par contre un peu petite dans le sens courte. Je la voyais vraiment plus longue, qui arrive au genou et ça va vraiment au-dessus du genou. Je la garde parce que je la trouve belle. Mais après, est-ce que je vais la porter? Dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez. Ou pas du tout, si vous trouvez ça trop court, si ça fait pute. Alors je vous... Elle parle de l'algorithme, donc c'est pour cette raison que je voulais mentionner cette vidéo. Un autre genre est ce qu'on appelle le swap. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur Rosca.
La même youtubeuse qui s'appelle donc Emma Cupcake et qui donc est, je vous dirais, mais elle est sur 1 million d'abonnés. Et donc ici, le générique montre son network, l'appartenance à son MCN. Et donc Rose Carpet, c'est un MCN qui appartient donc à M6. Donc c'est aussi l'idée qu'une grande partie des réseaux de network qui sont des MCN, qui sont des multi-channel network, des réseaux de chaînes sur YouTube, appartiennent le plus souvent à donc ce qu'on appelle les groupes médias. Donc là encore, la numérisation n'aboutit pas forcément à une nouvelle économie numérique dans ce cas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un swap. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais un swap avec Lola Dubini. Et je suis très heureuse. Et j'ai mis mes petites oreilles de vache DIY. Voilà. On adore. Et c'est parti. Let's go. Donc, voici le magnifique colis de Lola qui fait la distance Paris-New York, clairement. Nous avons une petite lettre juste ici. Je vais l'ouvrir. Hop, let's go. Emma. Alors, un souvenir de notre deuxième tournage, enfin les vrais premiers tournages qui a scellé notre amitié à tout jamais, forever, pour la vie du monde. Enfin, qui... J'ai pleuré. Enfin, qui fait de nous... Qui nous a fait nous dire... Ok, c'est parti, je recommence. Enfin... Bon, alors on va la laisser bafouiller, mais bon, l'idée c'est qu'un swap, donc c'est un échange de colis entre deux youtubeuses, et donc ça s'introduit par un petit menu, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, hop, le... Donc attends, normalement c'est ici le plein écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, comment le menu du hall est devenu un jeu de cours d'école et que les petites filles s'échangent dans les, pour se, finalement témoigner de leur amitié des échanges de colis dans lesquels on reproduit le petit menu qu'on a vu justement sur les vidéos YouTube. Voilà. Bon, il y a tout un aspect de socialisation dans ces vidéos YouTube, c'est comment s'habiller, comment se maquiller, etc. Donc c'est toute cette question du techno-genre. Alors, donc voilà, ça, c'est l'idée, voilà, qu'il y a des codes qui sont évidemment comme le menu, qu'il y a des formats comme les halls et les swaps qui se standardisent, et donc qui font finalement de YouTube une sorte de nouvelle Hollywood, et on peut tout à fait analyser les corpus vidéo comme on analyserait les films hollywoodiens. Ce qui est... quand on s'intéresse maintenant aux acteurs. Donc quand on s'intéresse aux acteurs de l'économie YouTube, on va trouver justement ce qu'on appelle les talents, qui sont également désignés comme des influenceurs. On va trouver aussi ce qu'on appelle les haters. Mais ici, il faut, on l'a bien vu, mentionner tous les non-actants qui font partie de cette économie, comme l'algo, le robot copyright qui va gérer justement la question des droits d'auteur, et puis d'autres actants qu'on appelle des signes passeurs, qui sont le tap ou le swipe, qui serait intéressant aussi à étudier en tant que tel. Je vais vous montrer différents exemples rapidement. Dans cette enquête de terrain, en fait, je demande toujours comme première question à tous les acteurs de cette économie YouTube, qui est connectée à d'autres réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram, hein, puisque les YouTubeurs sont partout. Eh bien, il y a cette idée de qu'est-ce qu'un talent pour vous ? Alors ici, j'ai interrogé donc Laetitia Chatillon, qui est une ancienne étudiante de cinéma et qui a monté une start-up de curation vidéo qui est incubée à Station F, qui est l'incubateur de Xavier Niel. Et donc, pour elle, évidemment, le talent, c'est la cohérence entre un propos et une personnalité. Donc, on retrouve l'idée de la singularité expressive, l'idée que c'est un individu qui a cette capacité à s'exprimer, à se mettre en scène, et donc... en finalement performant son caractère d'individu authentique, unique, en tant que singularité. J'avais aussi interviewé le DG de Tipeee, qui est l'ancienne My Major Company, qui aujourd'hui a décliné son business model en pourboire, c'est-à-dire on va pouvoir financer des YouTubers que l'on trouve intéressants, et en contrepartie. Donc on est sur le modèle du financement social, du socio-financement. Et pour lui, donc, un YouTuber qui est un talent, eh bien, c'est celui qui a une passion. Et donc, son principal travail, lui, consiste à permettre à des
à des youtubeurs de vivre de leur passion, comme il le dit, et donc il fait de la veille sur ces youtubeurs. Ensuite, évidemment, on connaît le talent comme influenceur. Une fois que le talent est reconnu et a une productivité, il peut devenir influenceur. Et ça ne dépend pas d'ailleurs du nombre d'abonnés. Et vous avez un petit MOOC sur YouTube qui vous permet de comprendre finalement que, indépendamment de votre nombre d'abonnés, vous pouvez vous mettre en partenariat avec les marques. Et vous avez même un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre. J'ai fait quelques captures d'écran. Donc le talent, c'est aussi donc un influenceur. Et il peut être influenceur à n'importe quel niveau finalement de volume d'abonnés. Alors ici, j'ai interviewé rapidement le résultat de l'interview de celle qui gère la Melty Talent House, qui gère une écurie de talents. On pourrait penser justement à la modèle des talents scouts hollywoodiens. Et donc, elle gère différents talents donc, que vous avez ici. Et donc, elle explique un talent, bien, c'est pas du tout le modèle du talent de la télé-réalité, mais c'est une individualité avec laquelle on peut travailler. Et elle dit souvent, je leur dis souvent, tu es un chef d'entreprise, tu dois être professionnel, aller au tournage, etc. Et elle explique aussi que son métier, c'est de faire de la valorisation native, c'est-à-dire faire en sorte qu'une pub, eh bien, grâce justement à toute la mise en scène autour l'influenceur, s'invisibilise. Une publicité qui n'a l'air de rien, et là elle me donne comme exemple une publicité pour le prochain film de la Fox qui a consisté à refaire jouer une scène dans un escape game, un laser quest game, et à faire filmer toutes les différentes étapes du jeu par les différents youtubeurs qui ont utilisé leur compte Snapchat et leur compte Instagram pour ce faire. Et ainsi, on a l'impression que les youtubeurs n'ont fait que participer à un escape game alors qu'il s'agissait d'une promotion pour le film de la Fox. Hein, donc ce qu'on appelle la valorisation native. Elle m'explique également donc qu'elle a affaire à des mineurs sous contrat. Et parfois, le chèque qu'ils vont toucher, c'est le salaire des parents de leurs parents pour toute l'année. Et donc, elle explique qu'évidemment, un de son travail principal, c'est évidemment de protéger ses talents qu'elle estime être des proies, à la fois des haters, mais aussi de tout un monde d'adultes un peu intéressés. Donc, elle a une grande expérience dans la fixation des prix, en fait, des partenariats, qu'elle gère autour de 3000 euros en moyenne pour les youtubeurs de son écurie. Et donc, elle a cette idée de finalement réguler de l'intérieur le marché en faisant en sorte que les nouveaux entrants dans ce monde des partenariats ne cassent pas les prix et finalement ne fassent pas de fausses promesses aux enfants. Évidemment, elle gère aussi le côté des haters. Et là, c'est intéressant de voir que cette industrie, ce nouvel Hollywood, il va quand même se baser sur le mauvais public. Et dans l'histoire de la culture, c'est intéressant de voir comment finalement, eh bien, le mauvais public, le hater, fait partie du business model de YouTube, de ce qu'on appelle le YouTube game. Voilà, donc ça, la façon dont les talents, oui, sont décrits par ceux finalement qui vont travailler à leur faire produire, les faire se financer, etc. Ce qui m'a interpellée également, c'est la façon dont, dans le monde de la DRH, la notion de talent est devenue synonyme de ressources humaines, de capital humain. Et donc, j'avais interviewé la chef talent officer d'un grand groupe publicitaire qui m'a expliqué qu'elle a été embauchée comme DRH parce qu'elle savait faire des contrats, donc embaucher des gens, mais aussi les virer. Et que maintenant, en fait, son principal problème était de garder les talents. Et dans son métier, maintenant, la DRH s'appelle donc la chief talent officer ou le talent officer. Et donc, elle explique que notamment chez les plus jeunes, elle a ce travail de proposer des solutions de carrière comme une conversation. Donc ça, c'est vraiment de la langue de bois, hein, bien sûr, mais avec cette idée que le comptable ou le pubeux font partie de ce qu'elle appelle les talents. Et donc, ce sont ses interlocuteurs dans son métier de DRH, dans ce grand groupe, un très grand groupe publicitaire français. Donc voilà, donc ici, c'est le talent, justement, comme travailleur. Alors, quand on interviewe, quand on s'intéresse justement aux enjeux, c'est cette question justement de vivre de sa propre subjectivité, de sa propre qualité humaine, de sa, finalement, ce caractère d'individu authentique, expressif, et tout le, finalement, le business qui s'est développé autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, dans les conventions de youtubeurs, vous avez des youtubeurs qui ont porté un t-shirt avec l'adresse de leur chaîne. Ils sont leur chaîne, ils sont l'incarnation
de leur chaîne. Leur chaîne, c'est eux. Et alors, j'ai interviewé un youtubeur scientifique qui a monté une chaîne qui s'appelle Questions d'Histoire. Et il m'a expliqué, finalement, il a vécu quelques temps à Montréal, donc c'est pour ça que je l'ai cité ici. Et il a fait des études de cinéma, a vécu quelques temps à Montréal, il s'est retrouvé à faire des petits boulots. Et avec son chômage, il a monté donc une chaîne d'histoire qui est sa passion, sachant qu'il savait bien faire du montage, etc. Ça combinait à la fois ses compétences et sa passion. Et il m'a expliqué finalement que monter une chaîne YouTube, c'est comme monter une petite boîte sans engagement. Si ça ne marche pas, au bout de 6 mois, tu peux la fermer. Il se trouve que ça marche très bien, puisqu'il a dépassé les 60 000 abonnés. Là, j'ai vu qu'il était à 80 000 ce matin. Et il va candidater au fonds CNC qui vient d'être ouvert récemment, justement pour professionnaliser en quelque sorte les youtubeurs. Et donc là, ce sont tous ces analytics qu'il regarde régulièrement en fonction de hommes, femmes, quelles sont les vidéos qui ont été regardées, etc. Et j'ai, voilà, cette idée que... On peut finalement vivre de sa passion et se penser comme un auto-entrepreneur, parce que c'est aussi son cas, et d'être dans cet égo-entrepreneuriat comme étant un modèle économique viable, avec cette idée qu'on peut utiliser aussi ses indemnités de chômage pour monter sa passion. Donc c'est très intéressant de voir justement quelles sont les ressources, à la fois du privé et à la fois de l'État-providence et de ce qu'il en reste, pour finalement exercer ce qu'on appelle ce « digital labor ». Donc sur YouTube, vous pouvez regarder que vous avez aujourd'hui un MOOC qui vous permet de comprendre tous les mécanismes du partenariat sans absolument avoir un nombre d'abonnés extrêmement conséquent, et vous avez donc toute une petite formation à ce qu'on appelle donc l'économie du partenariat sur YouTube. Donc pour terminer, les enjeux, ils sont assez intéressants parce que, évidemment, ce sont les enjeux cruciaux du rapport au travail de ces jeunes youtubeurs qui, certains, comme Cindy Jules, abandonnent leurs études et deviennent auto-entrepreneurs. Dans les youtubeurs de cette troisième génération, vous en avez plusieurs qui, à 18 ans, ont monté leur entreprise et vivent de leurs différentes chaînes YouTube, parce que souvent, ils vont ensuite se segmenter en une chaîne généraliste et puis des chaînes spécialisées, cuisine, etc. Ils vont devenir donc leur propre travail et donc être dans cette logique de l'ego-entrepreneuriat. Et donc, j'avais parlé tout à l'heure de la fonctionnalité tap ou du swipe. Bon, ben voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, dans les actants techniques, vous avez, d'une certaine façon, la performance technique de ce possible qui est de vivre de son travail. Et là, à travers la fonctionnalité de swipe, vous avez, chez les Instagrammeurs de mode, la possibilité de vous couvrir de marques au sens propre du terme, c'est-à-dire vous devenez un homme ou une femme sandwich. Ici, c'est la fonctionnalité swap-up, c'est-à-dire si le kimono vous intéresse, vous swipez la photo et vous allez directement vers le lien qui est embarqué dans le snap. Hein. Donc, il y a l'idée, voilà, de tout un ensemble de possibles techniques qui vous permettent, évidemment, de vivre de cette monétisation, de votre statut d'influeur. Et je vous recommande d'aller sur la vidéo du Rire Jaune, l'argent sur YouTube, où il posait cette question, est-ce que je continue mes études d'ingénieur ou je vide mes vidéos? Il y a eu 24 000 commentaires, et c'est un véritable également corpus endogène du rapport au travail à la fois du youtubeur et de sa communauté, de sa fanbase, de sa fanban, comme on dit. Voilà. Oui, oui.